OK! Mesdames et messieurs, on dirait du studio où on reçoit les jeunes les plus talentueux et les mieux inspirés de ces dernières années, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, les artistes chanteurs Nessa du Gabon et Romeo Mania de la France sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur pluridimensionnel aux multiples talents reconnu par tous, Willy Dumbo. C'est mon garçon, c'est la Dumbo. Yeah. Et attends, okay. Attends. Oh, Boris, c'est bon là. On dit quoi, non, je suis en train de chercher le Wi-Fi. Mais t'as pas le code Wi-Fi? Mais toi, t'as pas connexion Internet, quoi. Ah, petit, tu as venu me soir devant les gens ici qui n'ont pas connexion Internet. Aussi. Ça t'arrive pas souvent de ne pas avoir connexion? Toi, depuis une semaine, ça t'arrive. Oh, faut m'arrêter ça. Mais j'ai envie, là, on est dedans. Ah. Joe, on est en direct sur Internet. Je vais aller suivre en même temps pendant qu'on est en train de faire l'émission. Je vais te donner cellulaire, mon ami. Je n'ai pas. Ou bien Dieu me donne une passe. Il va te donner quelle passe? Tu es là, tu n'as rien. Et puis c'est toi toujours qui es en train de parler, là. Moi, mon verre. Les gars, pardon, qui a le code du Wi-Fi ici, là? Ah! Mais comment tu peux vivre avec des gens comme ça, même? Mes amis du jour viennent de pays différents, d'univers différents, mais sont réunis par leur passion pour la musique. Chanteurs d'afrobeat pour l'un et d'afrozouk et de variété pour l'autre, ils sont de passage à Abidjan pour faire la promotion de leurs dernières œuvres. Amoureux d'enthousiasme et de bonne ambiance, ils ne pouvaient pas quitter le pays sans venir faire un coucou aux Wamiens et aux Wamiennes. Romeo Mania, le haïtien faiseur d'afrobeat, et Nessa, la chanteuse de variété gabonaise, seront avec moi tout à l'heure pour me parler des raisons de leur présence sur les bords de la lagune Ébrié. En tant qu'artiste, ils seront très certainement intéressés par le Wanted d'Henri Dianyamé, l'élément vidéo de notre lampadaire sans ampoule. Sera une enquête sur la mésaventure vécue par l'un de leurs confrères, l'artiste coupé décalé DJ de Versailles. Qu'en est-il vraiment de cette histoire de ballet, bon, dit de vérité? Ce sera donc une enquête inédite. On aura donc la réponse tout à l'heure avec le reporter masqué. Mais en attendant, le moment est venu pour moi de vous rappeler encore qu'il est midi. On m'appelle Willy Dumbo et est né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Bienvenue. À tous, très heureux, très chers Wamien, Wamien, de vous retrouver. J'espère que la journée a bien démarré pour vous. Nous, ça va super bien, comme d'hab, voilà, comme d'hab, yeah. Nous avons une belle surprise pour vous ce matin et c'est avec la vidéo du jour. The Weeknd a dévoilé hier le clip de Save Your Tears aux États-Unis. Déjà plus de 12 millions de vues en seulement 24 heures. Ici, c'est l'artiste semaine, puisque s'il y a Weeknd là-bas, il y a l'artiste semaine ici. Il a dévoilé le sien, regardez. Voilà, le rap encore de beau reste hein, devant lui et puis les Rafa Kaiser n'ont qu'à bien se tenir. Allez, la suite c'est maintenant dans les pépites. On démarre avec la première pépite, c'est une photo de marié de l'année, voilà. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux feront une seule chair. Ceux-là, ils ont vraiment décidé de s'attacher l'un à l'autre, au sens propre, hein, comme au sens figuré aussi, bien sûr. C'est sûr que s'ils restent comme ça, c'est la mort seule qui pourra les séparer. En tout cas, félicitations. Félicitations aux mariés et que Dieu les bénisse dans leur foyer. Seigneur, bénis-les, Seigneur, amen, bénis-les, Seigneur, tu vois tes amis qui se marient. Voilà. Allez, pépite 2, chaussures d'hôtel. Alors, les amis, quand on vous demande de rester tranquille chez vous, vous ne voulez pas. Vous vous promenez partout dans Abidjan, pour salir. Oh, vous manquez de respect? Bon, regardez-moi des choses comme ça. Chaussures d'hôtel, deux pieds gauches, issus de deux chaussures différentes. Bon, est-ce que si tu étais resté chez toi à la maison, là, les choses comme ça allaient t'arriver? Jamais. Alors, soyons sages, les amis. C'est important. Et puis, vous, les gars qui êtes dans l'hôtel aussi, respectez-nous. Hein. Soit payer ses passes, on s'en fait que vous allez nous. Truc. C'est quoi? J'ai jamais vu un hôtel ici, à Abidjan, là où ils ne vont pas te donner même paix. Il y a toujours deux pieds gauches.
Si l'autre n'est pas de couleur blanche, l'autre est de couleur noire ou bien bleue et vice-versa. Et puis, j'ai une manière de découper ça, couper ça. Bon, moi, je n'en sais rien parce que je ne visite pas ces endroits-là. Voilà, c'est mon frère voilà, Stéphane Krah qui m'a rapporté ça. Allez, l'info buzz atterrit maintenant, c'est parti. Démarrons l'info buzz de ce jour avec une triste nouvelle. Olo Kwacha qui est en deuil. Les temps ne sont pas du tout bons pour le plus célèbre poissonnier de Côte d'Ivoire. L'ami de feu DJ Arafat, Olo Kwacha, alors qu'il a annoncé récemment qu'il préparait une soirée mémorable pour l'anniversaire de son frère d'armes, DJ Arafat, le membre de la Yoro Gang vient d'être frappé malheureusement par une triste nouvelle. Olo Kwacha a perdu son père, M. G Pro Henry, décédé donc le mardi dernier au CHU de Angré. Après Youyou Toirouge, qui pleurait il y a quelques temps son géniteur, un autre membre de la Yoro Gang devient aussi orphelin. Toutes nos sincères condoléances à Olo Kwacha et à... Et bien beaucoup surtout de courage à lui dans cette nouvelle épreuve. Autre triste nouvelle, c'est Sly du groupe BAE qui est décédé. Un autre décès dans le milieu du showbiz ivoirien. On se souvient encore du groupe BAE, une formation féminine qui avait eu beaucoup de succès aux premières heures du coupé décalé. Auteur du tube Balle Poussière avec le fameux refrain. Voilà. Donc la fille là, elle est fâchée, Aya Isabelle elle s'en fout, voilà, c'était le refrain. L'artiste Sly, de son vrai nom, Zoubouin Kahari Sylvie, membre de ce groupe, est malheureusement décédé au Togo, des suites d'une insuffisance rénale. L'annonce a été faite à la presse par son petit frère et toutes nos condoléances à sa famille biologique et artistique. Terminons avec DJ Mix qui parle aux promoteurs de spectacles. La polémique entre les promoteurs de spectacles ivoiriens et les artistes continue de faire parler. Le dernier à s'être exprimé sur le sujet est l'artiste coupé décalé Mix Premier. Celui qui a reçu le prix Mute d'or 2020 n'est pas passé par quatre chemins pour donner son avis sur le sujet. Selon Mix Premier, les organisateurs de spectacles auraient dû associer des artistes ivoiriens à leurs événements de fin d'année. Je pense que ceux qui se sont plaints ont raison. C'est ce qu'a déclaré donc Mix Premier. Je ne suis pas contre le fait que les artistes de l'extérieur viennent faire des concerts ici en fin d'année, c'est normal, mais il faudrait que nos promoteurs essaient d'impliquer les artistes d'ici. C'est ce qu'a encore ajouté El Panturo, toujours notre Mix Premier. Voilà qui vient donc conforter Ariel Chenet dans sa position, lui qui avait été le premier à se plaindre du fait que les artistes ivoiriens étaient délaissés au profit des chanteurs étrangers par les promoteurs locaux. Allez, c'était le dernier affairage pour aujourd'hui. On continue notre parcours avec le 12 heures chrono. Tous ceux qui ont déjà voyagé dans les cars de transport les ont déjà rencontrés. Ils sont avec les voyageurs du début à la fin des trajets, vantant les qualités de leurs produits pour trouver des potentiels clients. Ce sont les vendeurs ambulants de médicaments dans les cars. Ils ont toujours en leur possession des remèdes miracles à vous proposer contre tous les maux. Même calvitie, ils ont son médicament. Apoutou Sans Filtre est allé à leur rencontre. On suit son compte-rendu dans le 12 heures chrono. À Djamé, gare routière. Chaque jour, des milliers de voyageurs transitent par ici. Stéphane la trentaine se rend ce matin à la gare. Pas pour voyager, plutôt pour séduire et vendre. Les gares sont ses terrains de chasse. C'est la seule part quand vous achetez l'emballage, on ne jette pas. Mais pourquoi on ne jette pas l'emballage? Parce qu'il y a un... On l'appelle aussi bailleur. En d'autres termes, un pro de la parole. Pour arriver à séduire le maximum de clients, il utilise une technique de marketing propre à lui. C'est grâce à mon produit que la jeune fille est repartie dans son foyer. Oui. Il n'y a pas d'effet secondaire, même si elle est nouveau-né. Parents, tu as la possibilité de prendre mon produit, va essayer. Après 10 minutes, fin de l'exposé, les passagers s'arrachent ses produits. Souvent, quand je vais acheter les billets, surtout ça me plaît, je paye. Surtout quand je paye, quand j'utilise, ça va. Tout ce que j'ai à payer là, c'était bon. J'ai acheté une pâte, un peu médicaments de mon cycle. Parce que quand on te présente quelque chose, il faut payer pour essayer. Tu vas voir ce que ça va donner. De la manière à présenter, ça m'a convaincu de payer. Toucher plus de clients et faire voyager ses articles, c'est ce qui a motivé Stéphane à investir l'écart. Il y a des produits que les gens ne connaissent pas, donc il faut nous pouvoir les présenter le produit. Alors, la pâte, comme c'est la pâte à l'œuf, il y a beaucoup qui voient ça comme ça, mais ils ne savent pas. Quelle chose de maladie la pâte à l'huile verra soigne. Parce que c'est une pâte, ça soigne plusieurs maladies. Donc il faut nous pouvoir les expliquer. Hier même qui était le 4, hier, ils sont partis à la maison, 12 000 comptes bénéfices. Sinon par jour, souvent ils me retrouvent à 30 000, 20 000. Dans l'écart,
ces commerciaux disposent d'un cadre calme et de l'attention des passagers. Des avantages pour se faire entendre. Leurs produits sont toujours en promotion, des éternels promoteurs. Tu veux sentir, il n'y a pas de problème. Au lieu de 800, c'est 600 francs aujourd'hui par an. Nous faisons l'unité à 500. 500 francs. Shadow, c'est écrit dessus en anglais. Par un voyageur de Bona Bassam. Ça signifie ombre. Maman, quand tu mets sur toi, avant d'entrer dans la maison, l'odeur est dedans. Il n'y a pas les 500, ce n'est pas grave. Il faut laisser, va avec son odeur. Voilà, demain ou après-demain, forcément, on va se voir à la gare. Assa dispose d'un art oratoire dont lui seul a le secret. Les parfums qui sont importés, donc on ne trouve pas ça partout. Voilà pourquoi nous venons chercher pour faire la publicité de chez eux. Souvent, on ne va pas donner, il fait chaud parce qu'il y a longtemps, ils sont là. Il y a longtemps, ils sont assis dans les cars. Et il fait tellement chaud que peut-être il y a d'autres qui s'énervent. L'accès au car se fait toujours avec l'accord du chauffeur et du chef de gare. Quand ils viennent, ils demandent la permission. Ils rentrent au guichet et ça leur demande bonjour d'abord. Ils demandent après le chauffeur ou le responsable de gare. Ils demandent la permission d'abord avant de venir rentrer vendre un peu. Pour que chacun gagne un peu pour manger. Commercial dans les cars, un métier qui demande une maîtrise de l'art de la rhétorique et de la persuasion pour bien vendre. En plus, c'est pratique pour les voyageurs qui aiment faire le shopping en voiture. Merci à notre cher Fabrice Indé, à son compère de tous les jours, Gauthier Cactus Hué. Alors, on marque la pause, on se retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Derrière, il y a les esprits, ils vont se manifester maintenant. Attendez. Normalement, il y a un nouveau sur le plateau, il doit venir ici. Viens. Cou. Regarde ici, danse. Non, il ne veut pas danser. Petit, oh, c'est bon. Jimmy n'est pas là tout le monde. William, il dit bonjour, allô. Oui, on est en direct. Non, aujourd'hui, on n'a pas un invité, mais on a deux invités de taille. Oui, il y en a un qui vient d'Haïti et puis l'autre qui vient du Gabon. Ouais. Ah oui, les gars, Henri a fait un wanted aujourd'hui. Oui. Et ça porte sur quoi? Ça porte sur la vieille au balai. Ça porte sur la vieille qui a balai là. C'est qui attrape coup déjà le balai là. Donc il faudra rester jusqu'à la fin de l'émission pour voir. Ouais. Ah oui. Si ta télévision gratte en ce moment ou bien la couleur a disparu pour laisser du blanc noir, tu peux aller directement nous rejoindre sur la TNT 6, c'est en HD. Et puis aussi, tu peux aller sur Facebook, sur Live TV. Ouais. La page Facebook de Live TV. Ouais. C'est-à-dire, tu te connectes, tu regardes, tu mets un commentaire, je suis là. Ouais, parce que tout à l'heure, on va dire les noms de ceux qui sont là, et puis maintenant, tu partages. C'est bon? Merci, on est ensemble. Au revoir, bisous. Ouais, les gars, applaudissez un peu, pardon, pour le pianiste, ouais. C'est un menteur. Non, petit, t'es prêt? Viens. Applaudissez pour Willy, voilà. Willy l'araignée, regarde là-bas. Voilà, petit, prends tes points. Joli garçon, sans produit gagné. Au revoir. Tu vois, dans les dessins animés, là, il y avait un gars qui avait gros yeux, là. C'est la version humaine. Allez, on part tout de suite maintenant pour recevoir nos invités. C'est dans l'ami du midi. Mes amis du jour sont deux jeunes musiciens, pour ne pas dire chevronnés, dont la musique est très appréciée sur notre continent. L'un fait de l'afrobeat et l'autre est issu de l'univers du zouk et de la variété. On fait du bruit pour Romeo Mania et Nessa. Oui. Bonne année, comment ça va mon frère? Nous là. On va encore applaudir s'il vous plaît pour mes amis du midi. Voilà. Merci, il est tellement galant, il a permis à la dame de s'asseoir d'abord, absolument, avant de lui également s'asseoir. Bonjour la famille, comment ça va? Ça va bien. Eh hey, Seigneur, quand on vous dit qu'il y a beauté d'un pays, là, vraiment, il y a la beauté en Afrique. Voilà. Hey, c'est une beauté insolente, qui tellement elle est jolie. Nessa. Mm-hmm. Aïe. Romeo Mania, tu es à côté de Nessa. Ah, le Ouga, c'est clair. Alors. Le Baba, tu es le Ouga, je suis là. Alors, merci. Merci, ça fait plaisir. Vous venez de deux pays différents, vous venez de deux univers différents, mais vous avez une même passion, la musique, oui. Un même métier, la musique. On va commencer, bien sûr, par la dame. Nessa, est-ce que tu peux te présenter donc à tous nos téléspectateurs? Je suis Nessa, je ne sais pas quoi vous dire, Vanessa Muriel Dimbi, okay. À l'état civil, Nessa pour tous ceux qui me connaissent sur internet, voilà. Artiste chanteuse, gabonaise, togolaise, béninoise, ivoirienne, tout ça.
En tout cas, on va dire que tu es africaine. Tant que ça concerne l'Afrique, ouais, c'est pour moi. C'est mais ça, à la base, je suis gabonaise. D'accord, ça marche. C'est bien dit en tout cas. Et lui à côté, c'est mon frère, c'est l'Haïtien. Non, faut pas. Eh, Willy, faut, on va pas commencer tout là, sinon ça. Ah, d'accord, d'accord. Romeo Mania. Donc, Romeo Mania, on va dire, ça va aller, c'est la base. Ouais. Donc, je suis haïtien d'origine entière, Guadeloupe, Haïti. Ouais. Je suis français de nationalité avec un passeport super brillant. Ouais, brillant. Et sinon, je suis maintenant fils d'adoptif de Kumasi, ouais. Sikoji. Mais oui, je viens de là-bas. Voilà ah, pourquoi tu fais des clips là-bas. Voilà, ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les jeunes, ouais, il est ivoirien, donc je suis ivoirien maintenant. Ouais. Donc voilà, ça a été, c'est clair maintenant, depuis que 5 ans, je fréquente le pays. C'est ça. Voilà. Donc jeune homme très simple, humble. Joli garçon. Un peu friqué aussi. Ouais, un peu friqué aussi, ouais. Il va tuer. Donc voilà. Toi, tu ne donnes pas 2000 aux femmes, non. Les syndicats, non, je suis syndicaliste. T'es syndicaliste, hein. Faut respecter, attention. C'est la base. D'accord. Et on va dire forcément, Nessa, elle est anti-syndicaliste. Forcément. Forcément. Allez, Nessa, ton amour avec la musique, ça date de quand? C'est parti d'où? Ça date de ma plus tendre enfance, je veux dire. J'avais l'habitude d'interpréter, de chanter comme ça, à la va-vite. Mais j'ai commencé en 2015, on va dire, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Voilà. Mon nouveau pays adoptif. Tu es venu pour. Alors, dis-nous, parce que souvent, on dit quand un garçon quitte un pays pour aller dans un autre pays, c'est à cause des femmes. Mais dans toi, en tant que femme, tu es venue ici pour. Non, moi, je suis venue pour l'ambiance. Ah, d'accord, pour l'ambiance, ça marche. Okay. Moi, je suis venue pour l'ambiance parce qu'on m'a dit que c'était la capitale de l'ambiance, c'est tout ça. Ça l'est toujours. Donc, il fallait que je vienne voir. Et puis, je suis venue. Et puis, tu as constaté, c'était bon, c'était. Oui, l'ambiance était. Ça drague beaucoup ici. Hein. Ça quoi? Ça drague beaucoup ici. Ah non, ça je sais pas. D'accord. Mais rassure-moi, toi tu n'es pas passé par l'église, hein, la chorale à l'église, non? Parce non. Non. D'accord. Non. Okay. Romeo Mania et toi, ça a démarré à l'église ou bien... Non. Pas à l'église. Ouais. C'était aux États-Unis, d'accord. Je passais, je voyais avec les Américains comment ils déchiraient la foule. Je me suis dit, non, je vais être comme ces gars-là. C'est ça. Tu vois, c'est la frime, donc on est des frimeurs, on est là. Lui, il adore frimer. Le mec, au fait, il se baladait avec un nounours. Mm-hmm. Je ne sais pas où il a... Le nounours, il est où maintenant? Voilà, monte au cou, tout ça, c'est nous. Et putain, j'ai même pas... Mais moi, je veux savoir, le nounours, il est où maintenant? En fait, non, j'ai croisé Vital. Elle m'a dit, ouais, c'est le moussement. Les gens vont dire que c'est... Tu vois, c'est le médicament pour ça que je vais mousser, tout ça. Il dit, non, bon, je vais arrêter ça avant que les gens pensent du mal de ça. Mais c'est la frime, en fait. Alors, j'ai trouvé que c'est un accessoire assez attirant, en fait, pour les enfants. Tu sais que j'ai un public très jeune, tout ça. Donc, quand je passe quelque part, les enfants même sont contents. Ouais, les parents demandent à ce que je visite les enfants. Donc, d'accord, ok, ça marche. Ça les branchait, ouais. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais si tu finances, je prends les nounous. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Mais ça, on t'a surtout connu ici en Côte d'Ivoire et puis on va dire dans toute l'Afrique avec le titre Le Tube, Je suis là. Mm-hmm. Ça parlait d'une femme qui devait rester à côté de son homme dans la galère, dans la tristesse, dans la joie et autres. Je pense que ça n'existe. Ça ne court pas les rues, hein, ce genre de femme-là. Si. Toi, tu en fais partie, Dieu merci. Oui. Ouais, si, tu les défends. Oui. D'accord, c'était du vécu ou... Oui, c'était du vécu. Mm. C'est quelque chose que j'ai vécu en 2012, on va dire, dans ma relation. Mm. Et puis voilà, je suis restée. Du coup, je me suis dit... Est-ce que lui, après, il est resté quand ça a marché? Aïe, il va partir. Il est là. D'accord. Ouais. Il est là. Donc voilà, je me suis dit, quand je suis arrivée à Abidjan et que j'ai commencé la musique, pourquoi pas en faire une chanson? Il fallait que j'écrive une chanson et puis... J'avais pas de thème, je savais pas quoi. Et puis je me suis dit, ah mais tiens, il y a... je suis là. Et puis comme ça, j'ai écrit. C'est de là que, voilà, c'est du vécu. C'est ça. Et ça donnait donc un joli bébé qui reste un tube dans toute l'Afrique. Merci. Ah tiens, d'ailleurs, je pense que Nessa, c'est bon avec la régie. On a une compile signée Nessa. Ce sera donc d'hier à aujourd'hui, c'est parti. C'est avec amour que je supporte toutes tes bêtises. C'est avec amour. J'admets tout tes mépris. C'est avec amour que je reviens sur mes décisions. Tu penses que je ne vois pas toutes ces lunettes autour de toi. Tu penses que je ne sais pas. Est-ce que la solitude t'envahit? Je suis là. Et que tout le monde te lâche? Je suis là. Est-ce que le monde n'est plus? Je suis là. En ta faveur, moi je le suis. Je suis là. Mon amour est si fort. Si fort. Puissant à ton écart. Puissant à ton écart. Même si la lune ne brille pas demain. Tu vas te was. Si tu me prends pour ton décor, bébé, tu vas te was. Si tu me prends pour ta bonne niche,
oise. Si tu me prends pour un acquis, chouchou, tu vas te oise. Puis un jour tu m'as fait une déclaration qui a changé le cours de ma vie. C'était la plus belle des déclarations que j'ai eues. En se laissant porter par le vide, et sans se stresser, sans se blesser, sans se clasher, sans se froisser, lever vos briquets. Sans hésiter, sans cogiter, sans s'agiter, sans hésiter, on va décoller. Tous les regards, il les attire. C'est le genre de mec charmeur, adorable, sympa dans tous les sens. Miakolo, ce qu'on vit n'a plus de sens. Hey, miakolo, sympa dans tous les sens. Faut qu'on arrête ou on se fera du mal. On se fera du mal. Mais pourquoi continuer quand on se pointe du doigt si on ne peut faire les choses comme il se doit. Pour rien comme ça, tu veux me quitter. Ok, tu peux t'en aller, mais moi tu vas me dédommager. Pour rien comme ça, tu veux me quitter. Ok, tu peux t'en aller, mais moi tu vas me dédommager. Tout le temps passé avec toi, tu vas me dédommager. Pour mon temps que tu as perdu là, tu vas me dédommager. Si no matter what I say about you, je resterai ton lover. Plus fort que souhait, je te l'avoue. Chérie, pour toi, je ferai tout. On a pour habitude de les oublier. Et ça, c'est pas normal. Et même s'ils ne s'en plaignent pas, dans le fond, ils ont mal. On célèbre toujours les femmes, on valorise que la femme. Mais quand on doit parler de nos papas, pourquoi on ne le fait pas? Nous sommes de retour à l'instant, la compile signée Naissant, on va l'applaudir très fort, les esprits du WAM. Yep. Wow. Naissant, c'est magnifique, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se délecte en regardant donc tes vidéos, en regardant, en écoutant tes œuvres. Merci. Moi, je vais revenir sur l'avant-dernière vidéo, on a vu le smack assez langoureux sur le baiser donc sur la bouche de Shaolin. Ici, on a reçu Singila et puis Charlotte Ibada. Uh-huh. Il y avait une supposée relation, je ne sais pas, c'est pareil, il y a eu quelque chose. C'est le clip. C'est le clip. Non, mais aussi facilement, on arrive à faire des bisous comme ça, je ne sais pas. Moi, je verrais bien Romeo Bagna faire un bisou à Eudoxie dans une vidéo, je ne sais pas. Non, c'était un bisou entre... Donc, il n'y a rien, c'est juste un bisou. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Ouais. Mais nous, on veut savoir, au fait. Il y a des choses comme ça qui se passent en coulisses. On n'est pas obligé de tout. Je vais te dire après. D'accord, ce qui se passe en coulisses va rester en coulisses. D'accord, ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Mais après, il y a eu donc la vidéo qui est venue en dernière position pour les papas. Mm-hmm. Qui est sortie hier. Sortie hier, voilà. C'est ça. Et puis, on l'a balancée donc en exclusivité. Merci. Voilà, je t'en prie. Pourquoi pour les papas? Il y a les mamans aussi. Oui, mais en fait, moi, quand j'écris la chanson, je me suis dit, quand je l'ai écrite, en fait, je me suis dit, mais on chante toujours pour les mamans. Et puis, à ce moment-là, en fait, avant ça, il y avait l'anniversaire de mon père qui arrivait. Et dans le groupe de famille, tout le monde disait, ah, faut pas oublier l'anniversaire du boss. Hein. C'est l'anniversaire du boss, s'il vous plaît. Mais c'était plus les hommes qui parlaient. Et puis, je me suis dit, mais oui. Et sur Facebook aussi, ça jasait un peu dans tous les sens pour dire, cette année, on ne veut pas de débardeurs, tout ça. On veut des vraies choses. De petits shorts, chaussettes, tout ça. Et il y a mon chéri aussi à qui je fais un coucou aussi, coucou. Qui disait que voilà, mais voilà. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et puis, comme ça, le texte, il est arrivé. Je me suis dit, bon. D'accord. Ce sera consommé sans modération. Voilà. Je pense que c'est le plus beau cadeau pour tous les papas. Voilà. Parce que je ne sais pas ce qu'on pourrait offrir aux papas si ce n'est pas des badets et puis Chocoto. Mais consommer donc Naissa à tous les papas, c'est magnifique. Merci. Très beau clip d'ailleurs à aller voir sur sa page YouTube, sa chaîne YouTube. Merci. C'est ça, à tous les papas. On vient à toi maintenant. Mon ami Freeman, c'est Romeo Magna. Oui, les noms. C'est ça. Allez, Romeo, ça signifie quoi la montre sur attachée autour du cou là? En fait, moi, j'aime la différence. En fait, j'aime tout ce qui est unique, oser faire les choses, tu vois, que d'autres ne font pas. C'est ça, un artiste, en fait. Ouais. Tu vois, donc quand tu mets dans la main comme ça, tout le monde a l'habitude de le faire, tu vois. Ouais. Parce que nous, on est des modèles, on lance les choses. Si on dit c'est comme ça, on va porter les mots, tous les jeunes vont commencer à le faire, tu vois.
Tu vois, bientôt, je vais mettre la montre là aussi dans les chaussures. Tu vois, je vais commencer à mettre la montre. Pourtant, il y en a un ici, là. Il y en a ici? Je ne porte pas, tu vois. Ah ouais. Dolce Gabbana. Attends, moi, je garde. Je garde, ça ne retourne plus dans la poche. Voilà, je vais faire à la Walidia. Walidia qui sur scène part avec deux montres. Une sur la main gauche et l'autre sur la main droite. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà, c'est ça. Et puis après, je me suis dit, il faut créer des petits trucs. Je suis venu avec la peluche. Et puis bon, les gens commençaient à dire, c'est moussement du Nord, là, tout ça. Ils disent, hé, Seigneur, voici ton fils. D'accord. Il y a un artiste américain qui fait pareil. En fait, bon, les Américains, ils sont un peu fous. Ils font mais toi aussi, tu es un peu fou, hein, foufou. Non, je ne suis pas fou, je suis calme, mais je veux dire que bon, j'ose quand même faire des choses. Il ose. D'accord, et c'est pas mal quand même, c'est chic, non? Et j'allais même te demander la question, te poser la question suivante. C'est vraiment rare de voir un Antillais, un Haïtien, ne pas faire du zouk ou bien de la musique compa et puis faire de l'afro, l'afrobeat. Ouais. Bah, après, j'aime, je trouve que ça donne plus de possibilités. Ouais, et bientôt, peut-être que je mettrai quelques couleurs, tu vois, Antillais dedans. Ouais, pourquoi pas du zouglou aussi? Ouais, zouglou, ça va aller, c'est un peu zouglou. D'accord, mais on va essayer du zouglou à l'Antillais, ouais, ok. Non, après, tu vois, zouglou, il y a beaucoup de... Toi, tu es un fou. Taguez-moi. En fait, le rythme du zouglou, ça va plus vite même. D'accord. Vois, nous, c'est un peu lent. Okay. Donc, on va... Faut placer on va les phrases, genre. Un peu lent. Tu vois, genre. Les gens vont beau parler. Yeah. Mais tu restes mon bébé. Bébé. Les gens vont critiquer, mais rien ne va changer. Yeah. Tu connais mes défauts. Mes défauts. Code barré, je rigole dans ma lambeau. Tu connais mes soucis, mes envies, mes délires. Alors que je jase et pour... Et là, tu vois, tu veux. Et puis, tu sou. Un entier qui zoupe pas. C'est que c'est pas un entier. Il y a ma cousine qui allait étudier en Martinique. Tu colles la petite comme ça. Après le cours de mathématiques, elle est tombée enceinte. On va applaudir pour mes amis du midi, Nessa et puis Roméo Mania. Ah tiens, parlons de Roméo Mania, on part tout de suite pour la compil de Roméo Mania. Mais dans la main, jusqu'à demain, oublie le passé pour te surpasser. Le soir quand tu t'ennuies, on s'enverra les sextos. Je suis un mec des îles, tu sais, j'ai le sang chaud. Je sais comment augmenter le tempo. Vive ta vie, oh, oh, oh. Oublie les soucis, oh, oh, oh. Danse avec nous, de Paris à Miami. Oublie les soucis, oh, oh, oh. Je sais gérer les go comme toi. Laisse ton gars et viens avec moi. Je sais comment te faire kiffer la life. Si t'es bonne tête, tu seras ma wife. Taguez-moi, fais-moi profiter. De tes vidéos quand tu toques, 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 toques. Taguez-moi, fais-moi profiter. Tu nous fais tourner la tête. Snapchat, ils vont tout faire, tout faire, tout faire, tout te faire reculer. Ils vont parler, 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 mais nous on va avancer. Quand tu sais ce que tu veux, mon frère, laisse-les te diviser. Ils vont parler, 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 mais nous on va avancer. Ne désespère pas, c'est Dieu qui bénit. Tu es un nous-ci, allez. Ton air a sonné. Faut travailler pour récolter. Ça va aller. Les problèmes vont te tracasser. Ne baisse pas les bras. Tu es né pour briller. Il faut patienter. Les golas sont trop dans ma gamo. Vraie beauté africaine. Elles sont trop dans ma gamo. Beauté africaine. Africaine trop dans ma gamo. Vraie beauté africaine. Elles sont trop dans ma gamme, beauté africaine. T'avais pensé que je t'avais oublié. Aujourd'hui t'es récompensé. Les sorciers du village ils ont conspiré. Ils ont essayé de t'attacher. T'as mis genou à terre, t'as crié, t'as prié, t'as prié. Je suis pas venu habitant pour souffrir. Dieu m'a béni, laissez-moi profiter. J'ai des biguets, j'ai des bossés, j'ai dans les poches pendant des années. Tu m'as fait les butchers, les ignorés, et puis tu m'as bloqué. Aujourd'hui on m'appelle Luca. C'est moi qui fais ça maintenant, c'est la fin. Et hop, à l'instant la compagne de Roméo Mania. Roméo. Roméo Mania, on voit beaucoup de femmes autour de toi. Est-ce que tu es un homme à femme? Bon, c'est ça, le yoga, ça veut dire...
Je dois faire cette précision. C'est ça. Un homme à femme, mais qui a une seule femme. Une seule femme, d'accord. Voilà. Elle s'appelle sinon, Doudou, bébé, Apoutou. Manqué. Chouchou. La première dame. La première dame, d'accord. Ok, voilà. C'est un diplomate. Et monsieur, il s'appelle bébé, Chouchou. Doudou moins. C'est qu'elles vont appeler Doudou moins comme ça. Allez, on va marquer une petite pause hein, avec moi aujourd'hui, mes amis du midi, Nessa et puis Roméo Magnan. On va les applaudir très fort. Esprit du WAM. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 janvier, mes amis du midi, Roméo Magna et Nessa. Alors, les amis, on a dans cette émission-là, du lundi au vendredi, ce qu'on appelle les rendez-vous, et chaque jour a son rendez-vous bien précis. Mm-hmm. Et les rendez-vous du jeudi, c'est ce qu'on appelle le wanted, on part à la recherche de quelqu'un ou bien de quelque chose qui fait le buzz. Je ne sais pas si vous avez vu le buzz en ce moment en cours, c'est celui de Versailles. Oui. Tu étais où quand tu as vu la vidéo? À la maison. À la maison. Et Primo, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit facilement comme facilement ça. Facilement comme ça, ouais. Moi-même, j'ai envie d'aller à Dubaï. Ok, et toi, Romeo? En fait, je venais à peine de me réveiller parce que depuis que je suis arrivé à Abidjan, là, je suis calé dans l'alcool, dans le champagne. J'ai peur Abou Nidal, il m'a déjoué dans la ville. Hier, j'avais peur parce que je l'ai vu, il était dans la night avec Abou Nidal. Je lui ai dit, attention, l'émission, tu dois être ici à 11h. Non, le VPS est sorti, hein, il m'a mis dans bon. Et tu es rentré à quelle heure? À 7h. 7h, mais ouais. Il est là, ouais, c'est ça en fait. Mais je t'avais dit, je serai quand là. Quand on parle de conscience professionnelle, franchement, bravo. Ouais. Allez, on part maintenant, jingle rendez-vous et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, la famille, s'il y a une affaire dont tout le monde parle actuellement à Abidjan, c'est bien l'affaire de Versailles. On ne va pas revenir sur les détails, en tout cas, tout le monde connaît tous ces détails-là. Voilà. Alors, beaucoup de voix se sont levées pour mettre en doute la crédibilité de la Tata au balai, celle qui a affirmé que de Versailles avait bel et bien volé l'argent de son ami. Henri Dianyamé, notre bébé dinosaure, vaillant, courageux et surtout très curieux, a décidé d'aller à sa recherche pour lui donner l'occasion de s'expliquer et nous en dire un peu plus sur ces fameux balais. Voici les résultats de son enquête dans la rubrique Wanted. Salut à tous et bonne année! Ce sont des balais. À la base, ils servent à ça. Mais de nos jours, ils servent plutôt à ça. Vous voyez de quoi je parle? L'affaire de Versailles. Le premier buzz de l'année 2021. Nous ne sommes pas là pour raconter toute l'histoire, car Internet le fait déjà assez bien, mais pour comprendre le mystère qui se cache derrière ces fameux balais magiques. Et pour cela, nous devons trouver la mémé au balai. Qui est cette femme assez sereine et rigoureuse dans son travail de serrer le cou des soi-disant voleurs? Nous allons tenter de la trouver. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Selon nos sources, elle se trouverait dans ce quartier de Port-Boué. Bonsoir. Bonsoir. On est à la recherche de la mémé au balai. Et ça, c'est d'actualité encore. Arrivé à quelques pas. Qu'est-ce que c'est de travailler? Au moins à 200 mètres, vous demandez. Je ne sais pas franchement. Moi, je ne suis même pas du village même, donc je ne connais même pas quelqu'un ici. Bon, moi, je ne sais pas. Ça fait partie de la sorcellerie, non? C'est négatif à mon égard. Oui. C'est négatif à mon égard. Il faut passer tout droit comme ça. D'accord. Tu t'avais l'ordre de là-bas. Au petit marché, tu demandes où on fait balayer sa moro. C'est où le petit marché là? Comme ça? C'est devant. What? C'est derrière. Aïe. Il a dit c'est devant. Ah après, bon. Vous dites derrière. C'est un labyrinthe ce quartier. À côté là-bas. À côté là. Là, vous serrez à droite. Oh my god. Ouf. Après finalement 3924 jours de recherche. Non, je rigole. Après quelques heures de recherche et de grandes marches, ouais, parce qu'on a marché beaucoup, on l'a enfin trouvé. Elle est juste derrière là. Voilà, je suis avec la fameuse mémé, avec le balai en main. Bonsoir, quand même. Bonsoir. Elle parle pas vraiment français, mais il y aura quand même un interprète à côté que vous n'allez pas voir. La mémé, est-ce que vous pouvez nous expliquer le balai, comment ça fonctionne? C'est ma grand-mère, m'a donné. Quel intérêt? Ouais. C'est pas la ça même va, il y a une grande différence. Voilà, il y a une grande différence, c'est pas la même chose. Ouais. Ça, c'est fait à la base de choses, des herbes. Ouais, ok. Voilà.
C'est vrai, je confirme, là je touche, c'est voilà, vraiment c'est de la paille, base, des herbes séchées. Je veux dire par là que si tu n'as pas commis un acte de vol ou soit quelque chose comme ça, le valet ne peut pas t'attraper. Mais il y a des gens qui prétendent qu'il y a une corde dedans, des fois qu'elle main, des trucs comme ça. Voilà la chose qui est devant toi. Et si vous voulez, elle peut même faire une démonstration de la chose devant vous. Mais je me porte volontaire, moi, j'aimerais bien essayer. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, d'accord. D'accord. Regardez, regardez comment ça se passe. Non, il n'y a pas de corde. Hein. Ouais. Il n'y a pas de corde, hein. Il n'y a pas vraiment okay. De corde. Donc on va vérifier pour voir est-ce que réellement le reportage que vous êtes en train de faire là, si vous êtes dans la vérité que le balai vous attrape, mais si vous êtes dans le mensonge que le balai vous laisse. J'avoue que là j'ai vraiment peur. Alors si le reportage que je suis venu faire est vrai, que le balai m'attrape. Si c'est pas vrai, qu'il me laisse. C'est bon. Lui, elle n'a pas tourné, elle n'a rien fait, elle allait directement. Waouh! Attendez. De Versailles a vécu ça là et il a pas dit la vérité. Ah bon. Non, le gars là. Ouais, parce que ça coupe vraiment la respiration. Il a dit ici qu'il a pris. Il a fait comme ça. C'est moi. Donc quand quelqu'un ne veut pas dire la vérité, on vient consulter, c'est ça? Ça dépend de toi, ça dépend du problème que tu viens exposer à la vieille. Voilà, il y a des cas d'infidélité, il y a des cas de vol. Ça fait combien de temps que tu fais cette pratique? Depuis autant d'oufouilles, hein. Elle les a wow. Métier depuis autant d'oufouilles. Elle est du Burkina. Ok. Il y a d'autres qui disent que c'est du fétichisme. Il n'y a pas du fétichisme. Elle ne gorge pas poulet, elle ne tue pas bœuf. Il y a des personnalités qui sollicitent la vieille. Il y a plein de personnes qui sollicitent le service de la vieille. Mais tout ça qu'avant de mourir, est venu faire balai ici. Ah oui? Donc, l'affaire de Versailles, quand ils ont fini, comment ça s'est terminé? Ils sont partis tranquillement? Non, il n'y a pas eu d'histoire entre eux, hein, okay. Parce qu'ils ont dit quoi? Que le linge sale se lave en famille. Et la vieille lui a prodigué des sages conseils. Qu'est-ce que vous avez à dire pour la fin? Nous, on a fini, on va partir. Amina. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pris note. À la prochaine pour une nouvelle enquête. Gauthier, tu peux couper la caméra. Voilà, bravo. Ah, je me lève et je vais demander à Henri de nous rejoindre ici. Henri, voilà, c'est ce jeune homme-là. Plein d'avenir qui veut vite quitter la terre des hommes. Voilà, Boris, voilà, tu lui tends le micro. Merci. Henri, bravo, félicitations. Merci. Tu as Nessa, tu as Roméo Magna, ils sont là. Alors, comment vous avez trouvé son reportage? J'ai kiffé. Hein, tu as kiffé? Super bien. Mais est-ce que avant vous y croyez, les histoires de balais? Personnellement, non, mais ça existe. J'en ai déjà entendu parler et vraiment dans de grosses affaires. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Ils ont attrapé apparemment des soi-disant voleurs. Ouais. Voilà. Tu serais prête un jour à y amener un griffe, monsieur? Non. Non. Et toi, moi je, oui, parce que je connais déjà ces choses-là aux Antilles, tout ça en Haïti. Non, moi, j'ai rien fait de mal. Donc, là-bas, c'est le vaudou. Ça, hein. Non, ça, ouais, c'est le vaudou, c'est plus puissant. C'est plus puissant, d'accord, c'est fort, ça marche. Okay. C'est plus fort. Oui, et quand tu es allé, ça serrait ton cou, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Regarde, la caméra n'est pas en toi. Ça serre et après, tu as la sensation, comme si c'est une corde qui t'a attrapé. Approche le micro, tu es habitué au fait, toi. Bien, c'est les effets là qui. D'accord, ok. Non, mais vraiment. La vieille n'est pas venue te saluer. Non, elle ne m'a rien fait. Ça n'a pas été préparé. C'est un truc vraiment réel. Ça s'est fait à l'instant. Ouais. Et on ne comptait même pas essayer. C'est quand ils l'ont proposé qu'on l'a fait. Qu'elle a fait. Et ça sert vraiment. Ça sert vraiment. Il n'y a pas des esprits qui t'ont suivi après, petit? Non. Non, bon, okay. De toute façon, je suis croyant. Tu es croyant, d'accord. J'ai alléluia. Amen. Ça marche. On va encore applaudir, s'il vous plaît, pour lui. Bravo. Bravo. Voilà. Donc, il faudra donc retrouver aussi, bien sûr, ce sera posté tout à l'heure sur la page Facebook de Live TV pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de voir. Et puis aussi après sur YouTube, mes petits commencent à aller à l'église et paient tes dîners de culte ou bien tes dîmes. En tout cas, c'est important. Voilà, donne l'argent en même temps. Viens paier ta dîme. Je comptais plaider pour une augmentation. Allez, on va l'applaudir. Voilà, tu ne pars pas, tu restes avec nous. Nessa, Roméo Magna, ce sera quoi la suite? On démarre avec, bien sûr, Nessa. La suite, l'actualité. Il y aura un album. Oui, il y a un album, mais pour le moment, je ne vous en dirai pas plus. D'accord. En préparation, il y a un concert live qui est super. En train de se préparer, peut-être à Abidjan. À Abidjan, d'accord. Oui.
pour la Saint-Valentin. Nickel, c'est top, ça marche en tout cas. On communiquera bientôt les dates, voilà, mais c'est on y travaille. Forcément, et puis on vous demande encore de toujours consommer, donc sans modération, donc exactement. À tous les papas. Et en fait, là, j'aimerais dire, en fait, vu que je bougeais beaucoup et j'avais pas fait de la musique, un travail, on en parlait une fois, donc là, maintenant, je vais en faire un travail cette année. Donc 2021, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, forcément. Henri, viens, tu vas conclure l'émission ici, voilà, aujourd'hui. Romeo Mania, rapidement, là-dessus. Je travaille l'album. Ouais. Beaucoup de gros sons arrivent. Vous savez que Romeo Mania, c'est une machine à hit. Ouais. Donc, Je peux nouer le game pour 20 ans. J'ai des hits pour jusqu'à 100 ans, 200 ans. C'est pour ça que Dieu va retarder sa venue sur Terre. Parce que j'ai trop de sons à faire sortir. Donc l'album va sortir, il y aura des grosses pointures. Ouais, ouais. Et deux gros singles qui arrivent encore pour annoncer l'album avec Emilio Le Chanceux du Burkina Faso et Venom Cascadeur. Merci infiniment, Romeo Mania. Merci aussi à toi, Nessa. Merci. Plein de bisous. Bisous, bisous. Nous, on se dit au revoir. On se retrouve donc à 17h pour une rediff. La première rediff. Et puis à 23h aussi. Tout à l'heure, il y a le 12h45 avec Jean-Marc Seka. Au revoir. À demain. Bye. Sortez couverts. Au revoir.